l'époque dont on ne possédait pas de disque, c'est Jean Dresquet. Jean Dresquet, c'est un nom qui est en même temps une légende. Enfin, quand Caruso a débuté au Metropolitan Opera de New York, tout le monde a dit « ce petit napolitain chante bien », mais Jean Dresquet, c'était tout de même autre chose. On savait qu'il avait enregistré deux disques, qui étaient de cylindres plus exactement, qui étaient perdus. On en a retrouvé un l'été dernier, pardon ? La cassée. Oui, on en a trouvé un l'été dernier dans les caves de la Villa Van Fried à Bayreuth. C'est « Salut de mœurs chassées pures » de Faust. C'est à peu près inaudible, ça date de 1892. Mais à titre de curiosité, c'est quelque chose que personne en définitive n'a jamais entendu, sauf peut-être nous et les gens qui l'ont retrouvé. On vous donne la fin pour que vous entendiez le contrut de Jean Dresquet dans « Salut de mœurs chassées pures ». C'est donc une première presque, n'est-ce pas? Jean Dresquet, donc, dans celle dans des Faust, extraits. Nous avons entendu le contrut de Jean Dresquet, qui était célèbre. Bon, nous ne vous en infligeons pas davantage.